Bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 1462, j'espère que vous allez bien. Et voilà, donc on se retrouve, comme vous le voyez à l'écran, pour la fin de ce Sonic Adventure. Regardez, nous avons fini tous les personnages à 100% et résultat, on débloque un nouveau scénario caché, Super Sonic. Donc on va y aller, on ne tarde pas, on attaque. Mais qui est Super Sonic ? Donc voilà la fin de tous les personnages, et donc là on a la suite. Donc bien sûr, E102 est mort, hein, bien sûr, gamin, c'est fini. Voilà, l'intrigue n'est pas terminée. Ooh, I hate that Sonic! He always seems to get in my way! But I bet he can't foil my master plan! Chaos! The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Eh oui, il te manque une émeraude, mon gars, t'en as récupéré une. Those Chaos Emeralds that I brought back with me have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Eggman. This is terrible. Chaos is... Is what? Et voilà, il va te défoncer. Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Sonic! Hey there, Tails! Did you find the tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way! Who blew it this time? Oh, I don't know, but we'd better hurry! Voilà, donc on reprend le contrôle de Sonic. On doit aller voir Knuckles du coup. Ah putain, là, ah oui. Oh. Depuis que je suis passé avec Amy, Big et E102, putain, oui, j'ai oublié que ça allait si vite en fait. Moi j'ai parcouru, j'ai parcouru le champ, mais alors, en mode slow là. Ça fait du bien d'avoir un peu de vitesse là. Sonic, sorry. Knuckles! And Eggman! What happened here? He stole my Chaos Emeralds. And Chaos is still alive. What? Ah! He's not gonna get away with this! Hey, Eggman! Wait up! Sonic, Chaos is a fearsome beast. If he gets that last Chaos Emerald, we're done for. No need to explain. We'll get on it. Tails? Right. What? Oh, jeez. C'est parti pour un peu le dénouement. This place. It looks familiar. It's not a dream after all. Non, ce n'est pas un rêve. Get out of my way! No way!
Did you hear what I said? I won't obey! We need those 7 emeralds to give us total power! It's power for the people! And they are your people too, you know! We must get that emerald! Greed is our enemy! Once it starts, you will always want more! Please don't do this! I beg you! Bah! I don't listen to the words of a child! Ready, men? Charge! Quelle pourriture son père. Hey, are you all right? I think so. Oh my gosh! No, no, no! Wait up! The 7 emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The 7 emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Sonic, wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. Knuckles left already. Come! We gotta go after the last emerald. Lead the way. It should still be on board the Tornado too. Voilà, donc on a appris comme l'émeraude mère. Avait le pouvoir de stopper les émeraudes du chaos et que les 7 émeraudes du chaos, voilà, transforment nos pensées en ce qu'on veut. Donc si on est en colère, forcément, si on l'utilise avec la colère, on va devenir maléfique, et voilà, si on l'utilise avec un sentiment positif, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et alors voilà, c'est là que... C'est pour ça qu'il fallait faire tout le gameplay avant de faire ce concert. Où est la dernière émeraude? Elle est dans l'avion. Et l'avion a atterri où? En forêt chez Big. Et là, ça va être la fin bientôt dans 10 minutes, un quart d'heure. It's the Tornado 2! Yeah! So let's get the Chaos Emerald and leave! What? No! He's got the last emerald! Now what do we do? On est dans la merde.
traverser Chaos avec les 7 émeraudes. If I wasn't just dreaming, that monster is a real menace. Eggman. Looks like he's after Chaos too. This egg carrier tool was made because something like this could happen. You have defied your master, stupid beast. Now it must be destroyed at all costs. Enough! Who do you think you are, anyway? Oh, it's you! The one who sealed Chaos in the Master Emerald, Tikal. My heart has always been in the Master Emerald, along with Chaos's. Now he's filled with anger and sadness. And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before. Look! He's absorbed the Emerald's power! He must be sealed in the Master Emerald now! How can that help? It won't change how he feels inside, will it? His heart will still remain in turmoil, and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever! What choice do we have? Amy! Here, take this! Hey guys, what's up? Chaos only used the negative power of the emeralds. Sonic, you should be able to harness their real power! As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go, Sonic! Sonic! Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emerald. Our positive feelings toward each other can make them work. Our hearts together form awesome power. Et voilà, c'est la naissance du premier Super Sonic 3D. Ah, ça foutait une claque à l'époque. À l'époque, c'était impressionnant. Allez, donc vous connaissez le principe d'un Super Sonic. Vous avez 50 rings. Une seconde égale une ring en moins à 0 ordonnée à Sonic. Et c'est fini. Le but, défoncer l'ennemi avant de perdre tous les rings. Et en récolter sur la route, et je fais de la merde, c'est parti. Puissance max. Super, super. Avec le thème de Crush 40 qui déchire là. Crush 40 qui revient d'ailleurs pour Team Sonic Racing, le nouveau Sonic Racing. Il va composer la BO. Et qui a l'air de déchirer. Derrière moi, c'est fini.
ceux qui ont vu Sonic Generations quand j'ai fait le boss, c'est bien que il n'est pas mort juste après. Il y a une deuxième phase bien plus compliquée. Voilà. Le but c'est de prendre assez de vitesse quand même pour monter jusqu'au cerveau, parce que si on prend assez de vitesse, vous allez vite redescendre et être crashé. Allez, on attaque les choses sérieuses. On recommence. Vas-y, on garde la vitesse, on garde. Et attaque-moi mon chéri, viens. Et d'une. Allez. On est bien, on est en temps. Oh oui, oula, joli l'esquive, joli, attention, et ça passe. 44 secondes. Allez, le coup final. Allez, et je l'ai eu. Hey, I'll play with you some other time. Parfait. Chaos has changed again, this time for the better. Yeah! Supersonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. They stayed alive for generations and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored, and life goes on. Thank you so much. All's well that ends well, right? Sonic? Voilà les amis, ainsi s'achève l'aventure Sonic Adventure DX. Bien sûr, il y a bien d'autres choses à faire, hein. Bien sûr, refaire tous les niveaux de chaque personnage avec le rang B et le rang A, refaire les missions, etc. Il y a des missions en plus à faire, enfin 60 pour tous les personnages. Ce qui est dommage, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas les petits jeux Game Gear à débloquer grâce à tout ça. Vous aurez, si vous avez les 130 emblèmes, vous débloquez Metal Sonic,
c'est pareil, emblème A, B, C. C'est pas vraiment des emblèmes, mais vous refaites tout niveau Sonic avec Metal Sonic, c'est exactement pareil. Enfin voilà, bon à l'époque c'était un bon jeu, j'ai bien kiffé. Après certains personnages, voilà, n'ont pas lieu d'être, franchement. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette aventure en ma compagnie. Moi je vais voir pour le 2 un peu plus tard parce que là avant j'ai les DLC de Resident Evil 7 à finir. Il reste la fin de Zoé. Et très prochainement aussi, là je vais vous faire Sonic Transformed, petite vidéo à vie. Et j'ai à la fin du mois pour ceux que ça intéresse, je m'attaque à Crash Bandicoot Ensign Trilogy, la trilogie remake des trois premiers Crash Bandicoot. Donc voilà pour le programme actuellement. Et peut-être qu'en parallèle avec Crash, je ferai Sonic Adventure 2 Battle, sûrement. Et il y aura aussi du Spyro en septembre, aussi également. Qui a été également refait, donc la trilogie Spyro. Enfin voilà les amis, donc on s'attaque un peu à ce qu'on veut, voilà. J'aime bien, je suis nostalgique, j'attaque des vieux jeux, je m'attaque à des jeux horreur, action, aventure, voilà. C'est un peu mon style, voilà. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre les aventures. Et partagez tout ça, moi il n'y a pas de souci. Et je vous dis rendez-vous la prochaine fois, donc sur d'autres DLC Resident Evil et le reste de ce que je vous ai annoncé en attendant. Allez, ciao les amis, bye bye et bonne journée à tous.